Hop. Voilà. Ça c'est cool. Là on y voit à peu près. La lumière au plafond c'est cool, mais c'est une galère. Ah bah oui, c'est pour ça, j'ai la flemme d'aller reprendre l'échafaudage. Je me dis bon, allez hop. On reste là. Détruire les murs, ok. Hop. Hop. Voilà. Ça, c'est le truc stylé à faire aussi dans le jeu. Ok. Quand ça veut bien se casser, par contre. Enfin, quand ça fait de la merde. Le côté pratique, c'est que ça s'en va tout seul, quoi. Bon, j'imagine que dehors, il y a encore des saletés. Je n'ai pas dû voir. Ouais. Alors, lit double. Putain, mais par contre, moi, j'avoue, ça me dérangerait d'avoir un lit et d'avoir le salon juste en dessous, en fait. Mais moi, je me dis, c'est mieux. T'as ton lit, t'as ton intimité, t'es tranquille et tout. Quand t'as un mur, en fait. Là, directement au-dessus de la mezzanine, je sais pas. Ouais, c'est dégueulasse. Je sais pas. Pas convaincu, mais bon. Mais pourquoi pas. Tac. Bon, Osef, de toute façon, ça va servir à rien ce truc. Surtout que tout le monde sur la page peut tout voir, mais c'est ça. Non, pas celui-là. Même pas. Comme ça, c'est mieux. Ah, pourquoi ça a pas mis Oh, putain. Là, je t'ai posé. Ah oui, d'accord. Hop. Hop. Allez. Voilà. Même... Et qu'elle est vraiment là. Mais... Je suis coincée. Je peux plus bouger. Mais sors de là. Oh. Tu t'es coincée comment? Oh, j'ai pas compris, hein. Moi, il s'est coincé. Il y avait littéralement rien. Tu t'es posé le lit sur le pied, ça se passe comment? Ah, encore une pub. Rocking chair. Attends, pas comme ça. Oh, c'est moi, je crois.
Ouais. Non, il en faut deux. Il en faut deux, j'ai dit. Merci. Non, pas. Pas... Non, mais. Ah, mais je le fais exprès ou quoi? Putain! M. Voilà. C'est multiple. Voilà. Où le mettre? Ça là, comme ça, voilà. Bah c'est pas très joli, hein. Enfin bon, pourquoi pas. Hein. Ça c'est cool aussi, encore un tableau de la plage pour te rappeler la plage, alors que t'es déjà à la plage. Et je suis censée la mettre où la clim? Là. Hop. Ah mais je suis con. Ça c'est que l'installation. Ok d'accord, c'est bon. Allez. Putain mais... J'ai de spammer les lettres, les touches je veux dire. Voilà. Bon désolé tous les gens qui ont installé des clims dans leur vie. Hein. Désolé. Vous devez vous sentir outré je pense par ce que vous voyez. Probablement. Voilà. Tac. Voilà. C'est bon, vous êtes outrés les gens qui ont déjà installé des clims dans leur vie ou pas? C'est tellement chill house flipper entre deux jeux. Tu pourras faire ce que tu veux quand tu as ces murs en bois derrière. Ça suivra jamais. Oui, non, de toute façon c'est moche. Et moi, je sais pas. Ça me stresse d'avoir un lit comme ça et de pas avoir ton intimité. Enfin, je sais pas. Alors, d'abord je vais nettoyer. Tac. Hop. Allez. Ça doit être dehors ça, je pense. Hop. La baignoire... Est une meilleure solution. Bah oui, évidemment. Je lis même pas l'autre. Évidemment. Je le dis à chaque fois. J'ai même pas voulu lire. Est-ce que je vais faire ça? Ah. Alors. Ça me choque pas si c'est dans un loft au dernier étage et que tu vis seul ou en couple. Sinon, moi, ouais. Non, franchement, même perso, dans tous les cas, ça me dérangerait. Je préfère tranquille dans ma chambre, moi, en fait. J'aime pas, enfin je me dis, t'as une mezzanine et tout là, je sais pas, c'est pas... Hop. Tac. Oui, il commence à être sombre. De chez moi, et je trouve qu'il fait sombre. Chez vous, je sais pas ce que ça fait, mais. De mon côté, perso, moi j'aime pas, j'avais pas cette lumière pour moi.
Tout à l'heure j'avais froid. Maintenant ça va un peu mieux, mais tout à l'heure j'avais froid, ouais. Où est-ce que je pourrais en mettre 5 de plus? Je peux comprendre, j'ai jamais eu ça perso. Ma meilleure amie en avait une dans son appart. Pas pratique quand tu fais soirée, tu peux pas aller dormir. Ouais, tu m'étonnes. Mec! Voilà. C'est moche. Mais bon, au moins, j'ai calé les deux noms qu'il voulait. Mais c'est moche. Carrément en marbre. Tu me diras, ça colle bien avec le truc. Hein. Vas-y. Ça colle bien avec les murs, hein, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on a déjà installé des baignoires? Oui, on a déjà installé des baignoires. Oui. Oui. Comment vous? J'aime bien ton plaid sur une épaule à mode toge. Vous voyez ce que j'ai enlevé l'autre main, j'avais trop chaud après. Comment je fais là? Je dois cliquer où? C'est où le clic? Je clique où? C'est où le clic? Comment ça je suis bloqué? Comment ça je suis bloqué? Pourquoi bloqué? Je suis bloqué par quoi? C'est quoi qui bloque? Il y a littéralement rien qui me bloque. C'est pas normal. Quand je baisse ce son, c'est trop fort pour moi. Mais c'est pas près du mur. Enfin, une baignoire ça se met contre un mur. Qui met sa baignoire ailleurs que contre un mur? C'est pas possible. Je comprends pas, une baignoire ça se met contre un mur. Tu es d'accord? J'arrive pas à voir où je suis par rapport au truc. Ah oui, d'accord. Mais une baignoire ça se met contre un mur, rassurez-moi. Bloqué par une baignoire, elle décide de brûler. Non mais là, il y a un moment... Rassurez-moi. Vous mettez pas une baignoire au milieu comme ça, c'est bizarre. Ah ça me stresse, là je l'avais mis contre le mur, regardez là, il y a un espace. C'est dégueulasse. À part les très vieilles baignoires. Bah ouais. Mon ancien appartement, quand j'ai expliqué dans l'appartement d'en face avant qu'on déménage pour avoir une pièce supplémentaire, on avait une vieille baignoire, mais vraiment, vous savez, une baignoire avec 4 pieds. Genre, c'est une baignoire. Elle était noire. Le contour était noir. Elle était arrondie sur le dessous en fait. Dedans, c'était blanc. Et elle était vraiment pas très grande du tout. Hein. Et elle avait 4 pieds. C'est vraiment bizarre, mais bon, c'était ça pour notre baignoire avant. Ouais, je sais plus comment elle était précisément, mais c'était notre baignoire à l'époque. Et ouais, en fait, il faut savoir que mon immeuble, il a 50 ans. Hein.
il a plus de 50 ans l'immeuble. Et du coup, bah, à l'époque, c'était normal ce genre de baignoire. Après, ils ont changé les baignoires, mais maintenant, c'est des gros trucs bien allongés et tout là. Les... Je parle des baignoires, hein. C'est un bug. Le jeu te laisse poser des objets, mais pas les installer. Après, c'est assez aléatoire quand tu peux. C'est chiant, ouais. J'aime bien les gens comme ça. Ah ouais, dans le bug. Ça fait de la fumée. Il faut deux ça, voilà. Mais taille. Pardon, excusez-moi. Je m'emporte. Chaque fois, je dévisse les deux en même temps, ça n'a aucun sens. Quand t'arrives plusieurs fois avec un objet qui est... Oui, je veux dire. Malheureusement. Ah, mais c'est... Ah, ok. Ah, ah bah il se peut que j'ai peut-être pas de place, en fait. Parce que tu m'as pas dit de suite que c'était comme ça. On verra. Peut-être que si, en fait. Allez. 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 Allez, le jeu. S'il te plaît. Merci. Allez, dis-le. Je peux le faire. Je crois en toi. Je crois en toi. Nous croyons tous en toi. Allez. Allez, je vais le faire. Bravo, c'est bien. Oh lui, je pense. Je pense, hein. Écoutez, on verra. Ça se trouve, ça sera pas la même. Putain, mais tu... Pardon, excusez-moi. J'ai l'impression que mon E a pas voulu fonctionner. Tac, tac. Bon, je fais plusieurs trucs en même temps, je sais pas comment je fais, mais. Je clique partout, puis j'ai l'impression que ça fonctionne. Ah oui, c'est bon, je me suis pas trompée. Je me suis pas trompée dans la couleur. Peut-être dû mettre la baignoire en noir. Oui, bon, évidemment, le PQ c'est important, évidemment. Hein. Oui, et quand je vous dis que c'est les mêmes PQ, d'un Phasmophobia, c'est les mêmes. Je vous jure, hein. Dans Phasmon, il y a les mêmes supports à PQ. J'adore ces petits sons de désespoir. Chocolat noir, pain aux épices et chantilly. 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 Oui, c'est sûr que c'est le même moteur, ça se voit, il y a trop de trucs pareils. Tout est pareil en termes de game design, j'ai envie de dire. Il y a une maison. Van Gogh de la... Allez hop. Bah je crois que. J'ai juste à faire du nettoyage dehors. C'est bon. On sort le balai. Putain, on sort le balai. Excusez-moi. Ouais, ça y ressemble beaucoup. Voilà. Ah, il y a encore une pièce que j'ai pas faite apparemment. C'est quoi cette pièce là? Je suis pas allée. Bon, déjà le tour de la maison ça a l'air ok. Il y a une pièce que j'ai pas faite. Attends. Ah là. Je savais pas qu'il y avait une pièce là, fallait me le dire. Pourquoi je me dis pas? Je savais pas qu'il y avait une pièce là. Pourquoi je t'ai demandé, j'ai trop faim maintenant. Bon app Ichigo.
Ah ouais, putain. Ah, il faut que je refasse une autre baignoire. Quoi? Ah voilà, c'est une baignoire un peu qui ressemblait à ça. Mais elle était beaucoup plus petite par contre. En fait, ça ressemblait à ça. Plus petite, sauf que là, là c'était noir. Mais la peinture, elle se barrait à moitié, mais c'était noir là. Donc pareil, avec des pieds pareil quoi ça. Je crois qu'elle était un peu plus arrondie que ça même. Un poil plus arrondie que ça. Et ouais, je crois que c'était pas tout à fait la même plomberie, mais voilà. En vrai, j'étais enfant, donc au final, ça allait à l'époque. Je suis con. Normal, c'est bon. Tac. Allez, allez. Allez, non, me dis pas que. S'il te plaît. Je suis en train de planter. C'est deux fois qu'il me fait un message d'erreur, hein. Et je crois que je peux toujours pas. Ah si. Oh, j'ai peur. Il est vraiment pas envie, hein. Tu voudrais. A few moments later. Ah. Du coup, j'allais dire, tu voudrais acheter la même aujourd'hui. Ah ouais. Gros, moi, je connais pas forcément. Je connais pas forcément grand chose. Pas du tout. Bah c'est bon, j'imagine en tout cas. Oui, c'est bon. 100% du sentier, eh ben. Oh, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Oh là là. Ça donne de la gerbe presque. Oh là là, mais comment c'est possible que ce soit aussi sale? Je veux bien hein, que la maison ait été abandonnée, mais là, il y a des limites. Tac, on va faire des jardins, je pense. Hein. Le sable, ça y est. Oui, mais là... Même à l'intérieur... C'était clairement de la chiasse à l'intérieur, c'était pas du sable, hein. Je suis désolée, hein, mais à l'intérieur c'était tellement marron, non, c'était pas du sable. Peut-être faire une petite pause quand même. De la chiasse sablée. Je crois que je vais me faire une petite pause vite fait. Même si le live était un peu plus court que prévu, hein, à cause des problèmes de début de live, mais... Tac, je vais mettre en pause. Je reviens. Tac. It's been a long year. I know you're tired and you're blue. You've been breathing smoke inside this trial of fire, but you got through. And I know the world's gone wrong, but you're still present, you're still strong.
Tu veux donner une seconde vie à tes vêtements? Avec Vinted, on peut vider ses placards et gagner de l'argent en même temps. Toi aussi, télécharge Vinted et vends les vêtements que tu ne portes plus. Avec Vinted, faire de la place dans nos garde-robes tout en gagnant de l'argent, c'est très simple. Prends une photo, ajoute l'article dans ton dressing Vinted et fixe ton prix. Le plus de Vinted, il n'y a aucun frais de vente. Tu reçois le montant que tu as fixé pour ton article. Tu ne le portes pas? Vends-le! Téléchargez l'appli Vinted. Of the pale blood moon.
Merci pour les cheers. Qu'est-ce qui se passe, mais... Attendez. Attendez. Salut, Pika, ça va? Attendez, attendez. Vous avez parlé? Pardon, n'était pas là, quoi. Attendez. Voilà, dis, vite. Moi qui suis en train de lui préparer une... Quoi? Elle me prépare une surprise. Je vous lis, hein, que... Tu peux voler de l'argent facilement aussi. Tac. T'es même fatigué, tac tac tac. C'est vrai. C'est vrai. Excusez-moi, j'avais oublié que j'avais remonté le son en partant. Désolée. J'avais zappé. Alors, c'est pas vraiment un café. Quand le dernier sub, vraiment, R&D's Noob Gaming, le truc qui rend, il dépasse de ça du truc. J'étais en train de kiffer ma vie. Tu veux que je reparte? Je peux repartir si tu veux, hein. Alors, attendez. Oula. Merci pour le sub offert à Pika. J'en sais pas le demander au Québec. Ah bah non, je me casse parce que Miguel il dit qu'il osait pas demander quand je partais. Enfin, il était content que j'étais pas là. Il dit qu'il fait sa vie quand j'étais pas là. Merci pour les cheers. Bon bah je reviens. Attendez, parce que du coup j'ai raté des messages encore. On est sur 3 projets en même temps plus contrôle en motion design. Ah oui, d'accord. Quelqu'un comme Valérie. Elle est passionnée de tu vas pouvoir te poser un peu, non, Pika? J'ai trouvé mes clients. À moins que tu doives travailler tout le week-end. Je peux l'inventer, j'ai paniqué. Pardon, les pubs, ça va 2 minutes, mais il y a un moment, c'est chiant, quoi. Et toi? Tac. Il faut pas toujours dire la vérité, des fois il faut s'abstenir. C'est sympa ça, Chigo. À cause de... Tac tac tac. T'as pris des chips à quoi, Ichigo? M'intéresse. Je parle de bouffe, hein. Perso, je préfère les chips nature. Je préfère les... Vous savez, les ondulés, là. Ah oui, d'accord. Jamais goûté comme ça. J'ai jamais goûté, c'est bon? Ah ouais? J'ai jamais goûté. Moi, honnêtement, les chips... Attendez, excusez-moi. J'ai oublié de vous remettre le jeu. J'ai commencé à jouer alors que j'ai oublié de remettre le jeu, hein. J'aurais envie de goûter. Pour voir. Ouais. Mentez pas trop non plus, hein, ça commence à se voir à force. Hein. Ouais, je connaissais pas du tout. Moi, à la base, je les préfère nature. Ouais, ça fait beaucoup là. Oula. Salut Imoka. Désolé si je galère sur les pseudos des fois. Hein. Alors. Tac tac tac. Doug et Stacy rêvaient d'avoir une maison avec une vue sur la mer. Ils ont acheté une maison avec une grande terrasse. Doug
Il pouvait... oui, non, il pouvait voir la plage, pardon, à portée de main derrière. Ça veut pas dire grand-chose, ta phrase, mais c'est pas grave. La maison nécessite cependant un léger rafraîchissement. Ils auront besoin de rien. Ok. Le jeu, c'est House Flipper. Après, il y en a vinaigre balsamique, c'est plus doux, ouais. Faut voir, j'ai jamais goûté, donc je peux pas dire. House Flipper, c'est juste un jeu, en gros, où tu fais de la rénovation de maison, tu fais de la décoration, ce genre de choses, quoi. En gros. Alors. Au jardin, il n'y a rien à faire. Ouah. Pardon, excusez-moi, j'ai envie de repartir. Oh, c'est dégueulasse. En gros, tu vois, t'as des maisons qui sont dégueulasses comme ça. Vraiment, hein, t'as des maisons ignobles. Et tu dois les retaper pour que... Bon, le jeu te dit comment faire quand même. Hein. Il te dit... mets la peinture de telle couleur. Voilà, ce genre de choses. Alors, non, je vais garder sur, je vais rester sur le moderne parce que dans le jeu c'est moche sinon. Je vais rester sur du moderne parce que le jeu sinon c'est moche en fait. Tac. Ça se nettoie pas ça? Gaufrette qui explose. Mais putain, pardon, pourquoi j'ai full pub là? J'ai que des pubs, ça va de mieux ça? D'accord, je peux pas nettoyer le sol. Faut que je mette un nouveau sol, c'est ça? J'ai pas compris. Je fais toujours ça aussi. Bah ouais, en fait, je trouve que dans le jeu, moi je préfère le vintage. J'ai à choisir entre le moderne et le vintage, je préfère le vintage. Mais dans le jeu, le vintage ça fait juste sale en fait. Je crois qu'ils confondent ça, les vintage, c'est pas la même chose en fait. Le vintage est moche dans le jeu. Et mal fait. Yep. Beaucoup moins fan de tout ce qui est moderne à la base. Ça peut être stylé, hein, je dis pas le contraire, mais. Voilà. Excusez-moi, je vais faire que bouger. Alors. Alors, faut que je peigne en blanc. Ok. Ça explique que ton PC soit vintage. Bah en vrai, mon PC à la base était pas si nul que ça, il est devenu nul avec le temps en vrai. Bah à la base, c'était un très bon PC que j'avais avant. À l'époque. Il y a longtemps. Vraiment, je vous jure. Mon ancien PC était tellement nul, mais vraiment nul, je ne pouvais rien faire. Il redémarrait H24 tout seul. Je touchais à peine, il redémarrait, hein, je déconne pas. J'avais juste à toucher le bureau, des fois mon PC redémarrait. Tout seul. Il crachait sur YouTube. Aussi. Et quand j'ai acheté ce PC, mais ça m'a changé la vie. J'étais tellement content d'avoir ce PC, genre, il était ultra rapide. Il fonctionnait sur tous les jeux que je pouvais faire et je pouvais jouer en bonne qualité et tout. J'étais trop contente. Et puis il est devenu nul, voilà. Tel un PC. Il y a des trucs en vrai, c'est tellement design que ça devient trop, je trouve. Ouais, c'est vrai. Après, ça plaît à des gens, hein. Tant mieux, j'ai envie de dire. Mais c'est pas mon truc. Allô? 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 Oui, s'il te plaît. Allez, merci. Il est encore pas si mal, mais un. Ouais, non, en fait, pour le stream, il est beaucoup trop. Nul, on va dire. Disons les choses, hein, telles qu'elles sont. À certains stades, c'est de la nullité, hein.
Et le problème, c'est qu'à l'époque, j'avais besoin d'un PC de toute urgence. Parce que comme je vous disais, mon ancien PC crachait H24. Genre vraiment, j'ai effleuré mon ordinateur, il redémarrait. Je pouvais pas jouer et vocal Discord en même temps, sinon ça crachait. Je ne pouvais pas aller sur YouTube, sinon ça crachait. Je pouvais rien faire. Le PC était tellement en fin de vie, j'allais me retrouver sans rien d'un seul coup. Et le problème, c'est que... En plus, quand j'étais encore en période d'études à ce moment-là. Du coup, j'avais besoin du PC pour le bac, en fait. En plus, il me semble. Et le problème, c'est que... j'ai été obligée d'acheter un PC en urgence. Et du coup, j'ai pas pu mettre une énorme somme dedans parce que j'avais pas une énorme somme à mettre dedans, quoi. Donc forcément, bah, pas de SSD, des composants bien mais pas fous. Et donc, ça vieillit plus vite, forcément. Bon, j'ai entendu celle de Sekiro, mais je l'adore. Donc je m'en fous de la réentendre encore. Bah, le PC, ouais, il faisait plus que me fuir. Hein. Je monte un peu le son pour moi. Voilà, je pense que c'est bon. Là, c'est ok. Oh putain, dégage. Dégage de mon passage. Pris. Je trouve que c'est vraiment aussi une des meilleures celles-là. J'ai l'impression de dire ça à chaque chanson, mais c'est pas le cas. Voilà. Non mais juste un. Voilà. Ça va rien. Voilà. Et maintenant il veut que je fasse quoi? Non, il y a beaucoup qui sont excellentes. Elles sont pour la plupart excellentes. Et t'en as qui sont encore au-dessus. Mais il y a bien plus de 3 ou 4 qui sont excellentes. Alors ça par contre, ça c'est la plus grosse arnaque du jeu. Hein. Dans le sens où... Vraiment, hein. Qui met son carrelage comme ça? Je suis désolé, hein, mais... Oui, rien. On est d'accord que c'est une arnaque quand même. Quand tu sais combien de temps c'est censé mettre. Par contre, je suis désolée, mais je vais remettre de la peinture blanche. Hein. Parce que bon, même si tu me le demandes pas, ça va faire moche sinon. Non, moi je te dis, ça c'est la plus grosse arnaque du jeu. Je te dis que celle-là c'est la plus grosse arnaque du jeu. J'ai pas dit qu'il y a que ça qui est une arnaque dans le jeu. C'est la plus grosse arnaque du jeu. Je suis désolée, hein, mais quand tu sais qu'un carrage ça se met pas comme ça, lui il le balance au mur en mode hop, c'est bon, c'est fait. Oui, Arya. Pourquoi? Oui, bon, allez, vas-y, viens. Allez, viens. Je sais que tu veux venir, je te vois. Eh, fais pas genre, tu m'ignores, je te vois, tu t'assois et tu me regardes. Bon, bah, vas-y, dégage. Elle se fout de ma gueule, hein, vraiment. Elle me regarde, elle s'installe en mode. Vas-y, j'ai envie de venir. Bon, tu viens ou pas? Elle se fout de ma gueule, je vous jure, hein. Putain. Pardon.
Ce serait trop simple en vrai, mais si le jeu était comme la réalité... Ouais, non mais... Si c'était comme la réalité, je pense que personne y jouerait. Mais qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais... Ouais, je fais comme ça, ça marche bien. Faut pas avoir peur du tout, c'est bon. Allez, viens! Viens! Allez! Elles se foutent de ma gueule, hein. Allez! Mais quand même! Putain, je la vois depuis tard, elle se prépare à sauter. Mais elle me regarde comme une débile. Attention, vous êtes prêts au miaulement? Ah, elle a pas fait! Tu l'as pas fait! Je fais en général. Mon chacha. Pardon, excusez-moi, ça m'amuse. Elle, je sais pas si ça l'amuse, mais moi ça m'amuse. Je crois que ça l'amuse pas, elle. Je crois qu'elle est partie vexée. je sais pas, mais je crois que ça ne l'a pas amusée. Non mais, Angèle, elle le fait. Pourquoi on a retiré un? Attendez, pourquoi on a retiré un? Ça l'a retiré où? Je n'ai pas compris. Non? Ah, ça compte pas là? Je suis censé le mettre où pour que ça compte? Ouais. C'est moche! Putain, mais. C'est pas beau, hein? Je suis désolé, hein? Le jeu veut que je fasse des trucs moches comme ça. Non mais je sais pas, c'est moche en fait. Bref, je cherche pas à comprendre le jeu, ce qu'il veut, mais... Dans tous les cas, c'est pas beau, donc bon bref. Ah, enfin on se débarrasse de ça aussi là. Je vais petit à petit parce que sinon ça, après ça va dépasser dehors. Ça va être chiant. Et j'ai pas très envie que ça déborde dehors. Oh là, ah, ça fait du bien de se débarrasser de cette moquette dégueulasse. Je sais pas ce qu'ils font subir à leur moquette, mais c'est pas possible en fait. Merde. C'est impossible que ta moquette elle ressemble à ça en fait. Faut être vraiment le plus gros porc possible en fait. Voilà, normalement on est bon. Ah, c'est mieux un coup. Ah, ah, ça fait moins peur, hein. J'arrive pas à comprendre comment ils font leur truc, hein, mais. Après 50 ans, je sais pas. Hein. Quand même abusé quoi. Bref, du coup. Ici. Hop. Du coup, Ichigo, je t'ai déjà demandé, mais bon, je te redemande au cas où. Ça te tente toujours demain? Tu fais quoi, Ria? Ça te tente toujours pour demain, du coup, le phasmo? Je te demande pas forcément d'être là tout d'après, mais... selon tes disponibilités, quand même, mais... Hein,
On dirait l'endroit où tu ramènes tes victimes après un kidnapping. Je veux dire, comment tu sais ça, Ichigo? Attends, tu veux combien de canapés? Tu as une passion pour les canapés, ça se passe comment? Je peux même pas avoir la même couleur. Putain. C'est quoi cette passion pour les canapés là? Je le mets où? Ah! Salut Kyo! Merci pour le raid et merci pour l'alerte qui ne s'est toujours pas déclenchée. Et un cube de merde. Merci pour le. Pardon, excuse-moi. Merci pour le resub, Kyo. Et bienvenue. C'est vrai que tu finis avant. C'était bien tout saoul, c'est ça? Ah putain, le jeu encore en train de freeze. Le jeu ne marche pas. Bon d'accord. C'était bien du coup Tech. Ouais, c'est toujours bon pour toi. Ah yeah. Tu veux pas te montrer là? Y'a qui est ça? Elle va aller dans la cage du lapin, elle veut pas venir sur moi là. Attends, j'essaie de venir, de faire venir mon chat sur moi. Je vais l'installer ce soir au moins. Ouais. Bon, elle est partie ailleurs. Ah bah putain, le jeu vient juste d'arriver de prise, putain. Je veux bien, mais je la mets où? Je la mets où la cheminée? Y'a pas de place? Attends. Salut Aiki, ça va? Je sais pas où mettre cette cheminée. Pardon. Ça va, je viens de finir mes chips. Je suis de passage, pardon, je pars sur le... Et aucun problème. Ça va, merci. Et surtout, bon courage pour Hollow Knight. Je la mets où? Je me retiens d'insulter les meubles, hein, je vous jure, depuis tout à l'heure. Mais je l'ai mis où le... Aria, fais attention à ce que tu fais. Hein. Elle est dans la cage du lapin, hein, je tiens à vous dire. Je sais pas où mettre la cheminée. Il me demande de mettre une cheminée, mais il n'y a pas de place. D'accord. Non mais même, je sais de me retirer quand même de... Y'a aucun endroit où ça peut être bien en fait. Bon, je veux bien hein, mais... Il me demande de mettre deux canapés. Enfin, trois canapés parce qu'il faut que je mette plus aussi. Vous savez, vous pouvez vous mettre votre cheminée. J'essaie de me retenir. Bonne soirée, Kyo. Merci d'être passé, merci pour le raid et le resub. Aria. Je vous jure, ça me stresse à chaque fois que mon chat se met dans la cage du lapin et elle me regarde. J'ai l'impression qu'elle me juge sur ce que je fais. Oh, je vais faire un truc bien là. Ça sert à rien le canapé là. Inutile. Enfin bref,
coup, vous dites 3 canapés, c'est votre passion les canapés? Tac. Alors, attendez. On va mettre ça comme ça. Il y a plus de plantes que de place, mais c'est pas grave. Ça va rien. Là. Hop. Hop. Ce tapis. Mettre un grand et je vais le mettre là, comme ça. Excusez-moi, des fois je suis concentré sur le jeu. Qui gêne. Pourquoi je peux pas le mettre droit au milieu? Enfin, je le mettre bien au milieu. Attendez, je vais y arriver. Là. Bon, ouais. Ah, mais c'est à cause. Non, c'est à cause de quoi? Ah, c'est à cause du mur. Ah, c'est à cause de ça. Ok. Ouais, je pense. Bon, voilà. Je sens que le budget, je vais l'exploser, hein. Je sais pas pourquoi, mais c'est l'impression que j'ai. What? Ah oui, d'accord. Modifier les murs. Enfin, déjà nettoyer, c'est sûr. Excusez-moi, j'ai pas vu. Heureusement que le jeu sauvegarde tout le temps, hein. Le jeu il sauvegarde littéralement tout le temps. Du coup, ça m'arrange si jamais j'ai un plantage. C'est vrai qu'orange comme ça c'est moche. Pardon, excusez-moi. Il y a des gens qui aiment bien les murs orange. De quoi ça peut être bien. Hop. Allez, pose ça là. Là, là. Geek, pose ça. Bon, excusez-moi. Ah merde, attendez. Je l'ai pas eu. Voilà. Ah, pardon. Oui, excuse-moi, j'avais oublié. Je suis pas fan de la... pour des murs, dans une maison, je suis pas fan. Excuse-moi, j'avais oublié, hein. Comment on disait en anglais. Pourtant, c'est basique, hein. C'est juste que c'est peut-être pas le mot que j'utilisais le plus souvent quand je faisais d'anglais, hein. On va pas se mentir, mais... Désolé, hein. Des toilettes avec un peu de place pour les genoux, improbable. Je suis tout le temps désolé, hein. Tout le temps. Pardon. Désolé, des fois j'ai des... Comment dire, ça m'arrive des fois, des bugs de cerveau comme ça. Ah, c'est un peu mieux. Non mais je veux pas. C'est un peu ça, oui. Non mais des fois il y a des trucs, ça me saoule tellement que... Mais je me retiens de faire des injures en fait.
vous, ça vous dérange peut-être que je m'empêche de faire des injures, mais... C'est bien si les autres font des erreurs aussi. Je fais tout le temps des fautes. Ah oui. Bah après, c'est... Je pense que c'est quand même plus compliqué d'apprendre le français que d'apprendre l'anglais, donc... Tu sais, j'ai un viewer qui... un viewer qui est... qui vient des Pays-Bas. Et alors, autant dire que lui, quand il parle anglais... Parce que c'est un ancien modérateur de Trinity avec moi. On était modérateurs chez Trinity tous les deux. Et quand on faisait des réunions de modérateurs, autant vous dire que quand je l'entendais parler, je comprenais rien du tout. Parce que c'est pas un accent anglais qu'il avait, hein. Vraiment, parler anglais avec l'accent de là-bas, je comprenais rien du tout quand il me parlait. Et à chaque fois, des fois il me posait des questions, il y avait un gros silence, j'étais en mode... comme ça, je buguais, et lui ça le faisait rire, il se foutait de ma gueule à chaque fois. En tout cas, ça va être marrant, parce qu'il se foutait vraiment de ma gueule à chaque fois. Ah, encore cette couleur. Faut pas les contenir, ou ça peut avoir des conséquences. J'en sais quelque chose. Bleu ciel. Ah, il faut d'abord que j'enlève ça. Non mais les Néerlandais viennent d'un autre pays. Ils viennent pas d'un autre pays, ils viennent d'une autre planète. Non mais c'est surtout... En vrai, il est trop gentil, hein. Dommage que je le vois plus passer sur la chaîne. Peut-être qu'il a pas le temps ou je sais pas quoi. Mais il est vraiment tout gentil et tout, tu vois, mais c'est juste que quand tu l'écoutes à l'oral, les autres le comprenaient, mais moi je ne le comprenais pas. J'étais en mode... Et encore, des fois, ça arrivait que des fois les autres ne comprennent pas. J'avoue que des fois, j'étais pas la seule à pas le comprendre, par moment. Mais c'était plus rare. Ah, ici, je pense que ce sera pas mal. Ils sont gentils, c'est juste que leur langage, on dirait qu'ils éternuent tout le temps. Bah moi j'ai envie de dire c'est pareil avec l'allemand, hein. Pour moi l'allemand c'est pareil, hein. Il y a des langues où t'as l'impression qu'ils sont toujours en train de te cracher dessus. Je suis incapable de faire d'allemand à cause de ça, hein. Je comprends rien moi quand on parle en allemand. Et pourtant, je suis allée en Autriche et je suis allée en Allemagne sans parler allemand. Bah, à la limite, je savais dire je t'aime aux gens, alors je sais pas si ça allait m'aider à grand chose, mais bon. Ah, je sais dire je m'appelle, mais bon, voilà. Faut être habitué à leur accent. Ouais, moi j'étais pas du tout. Déjà que j'ai du mal quand on parle anglais. Avec un accent, c'est... Avec un accent qui est... Je l'avoue, c'est trop compliqué pour moi. Rien que l'Alsace, mais ça m'a dégoûté d'allemand. Avec leur ville... Je suis jamais allée en Alsace. J'aurais pu y aller. Ouais, que j'ai des potes qui habitent en Alsace et c'était pour un anniversaire. Le problème c'est qu'avec le Covid ça a été annulé. De toute façon je pouvais pas y aller je pense parce que... ouais. Dans tous les cas je pouvais pas y aller parce que j'étais au travail je crois. Il y avait la période Covid mais moi je crois que je travaillais encore à ce moment là. On avait pas le droit de bouger je crois. Vous savez la restriction de faire tant de kilomètres. Ouais. Maintenant je crois qu'on peut... Ouais maintenant il n'y a plus de restrictions à ce niveau normalement. Par contre ce carrelage est moche, hein. Je crois que c'est ça aussi, oui. J'ai plus. J'ai fait ça en juillet dernier. 10 heures de route aller-retour. Enfin à l'aller. Ouais. C'était la période où t'inquiète le Covid, il se calme. Ah. Oh.
Le retour du chat. Ça va, Maria ? Ça va ? Qu'est-ce que tu racontes ? T'as fait quoi depuis tout à l'heure ? T'as allé renifler des trucs ? T'as fait des câlins d'autres choses, c'est ça ? Raconte-moi ta journée. Ouais ? Et encore ? Hein ? Elle est trop mignonne. C'était 100 km mais seulement dans ton département. Dans ton département ou ta région? Ah ouais, qu'elle est trop mignonne. Attends, j'ai encore envie de la faire miauler, poire. Voilà. Hein? Elle dit rien, le pire c'est que vraiment elle se laisse faire dans le plus grand des calmes. C'était département vu que je pouvais pas voir mon père. Ah, ok. Normalement c'est bon, j'ai tout peint, j'ai rien oublié, voilà. Bon, je suis désolée hein, mais le mélange. Les deux ça fait pas beau hein, mais bon bref. J'ai rien fait de spécial, par contre j'avais hyper envie de te perturber. De personnes comme tranquillité. Pour l'instant ça va, ses griffes sont loin de mes genoux. Je sais pas pourquoi sa tête elle part en arrière des fois. Elle ronronne, elle est contente. Donc moi des fois quand je la trouve comme ça, sa tête elle part comme ça. J'ai l'impression qu'elle a aucun contrôle de son corps. Voilà, t'inquiète que de l'amour elle en a beaucoup. Ça, pour en avoir, elle en a. N'est-ce pas, Ria? Hein? Ouais. Ces bruits de pigeons, là, des fois. Voilà. Voilà, c'est couché sur moi. Là, c'est fini. Ouais, bon. Alors. Pas de lumière, si. Donc voilà, on sort. Hein? Tiens-moi, chacha. Ça va? Excusez-moi. Ouais. C'est bon, peut-être que je finisse la maison. Hein. Ce serait pas mal. Ce serait une bonne idée, je pense. Hein. Faut faire quoi là? Enlever. Le canapé. Merde. Pardon, excusez-moi. Des fois, je clique dessus, ça fait rien. Oh, il y avait la lumière. Il y avait de la lumière, il n'y a plus de lumière. Oui, bah écoute. Je vais pas mettre la caméra en continu là-dessous. N'est-ce pas? Maria? Non? Je peux lui donner de la bouffe, c'est toujours ça. Excusez-moi, je perds du temps, mais... Mais dégage! Putain, ça m'énerve, ça. Quand ils te font installer un truc, mais qu'il y a un truc de base qui gêne, qui est déjà là depuis le début. Attention à ta griffe. Je sens ta griffe, là, Aria, tu vois. Là, c'est la cuisse. Tu peux éloigner ta griffe de ma cuisse, s'il te plaît, Aria? Je la sens, là, tu vois. Hein? Enlève. Oui, ben, elle râle pas. Non, je fais attention. Excusez-moi, mais je préfère prévenir. Encore ce truc, je dois le mettre dans toutes les maisons ou quoi?
Voilà. Je sais pas pourquoi, en fait, quand elle est sur moi, elle est tellement contente d'être sur moi qu'elle plante ses griffes. Je comprends pas, en fait. Et vraiment, elle a ses griffes comme ça à chaque fois. Genre, tu peux pas garder tes griffes à l'intérieur, enfin, je sais pas. Oh putain, sérieusement. En plus d'avoir un motif dessus. D'accord. Attention, rien. Oui, mais t'as raison, on va voir ailleurs. Oh là là, je vous jure. Voilà. Je m'en fous que ce soit beau ou pas beau. Voilà, on va faire ça comme ça là. De toute façon, ça a pas lieu d'être beau là. Mais pourquoi? Je mets le canapé ou ça. Je suis censé mettre un canapé ou ça. Attendez, mais... Pourquoi je dois mettre beaucoup trop de choses par rapport à la place que j'ai? Je suis en train de paniquer, ça se voit ou pas? Je mets les choses où ça? Attends. Attendez. Attendez. Je sais pas. Je mets les choses où? Ah bah tant pis, hein, ça va être moche, hein. Je préviens. Voilà, hein. Je sais pas où mettre le truc. Voilà, la personne ne pourra pas s'asseoir. Hein. Je tiens à le dire, voilà. Hein. Là, t'es pas en face de la télé, y a rien qui va. Y a rien qui va. Mais ça, je le mets où aussi, là? Non mais ça m'énerve. Je le mets où? Je mets des choses où ça, moi? C'est quoi ce jeu? On fout des pubs aussi là. La place que j'ai, vous comprenez où je dois mettre les choses ou pas? Il y a un moment où je sais pas moi. En plus, il n'y a pas de lumière. Mais tu as même pas la place de mettre une table et des chaises, il te demande de mettre une table et des chaises. Je comprends pas. Bah oui, mais ça c'est pas de ma faute, ça c'est le jeu, hein. C'est le jeu qui a décidé de faire ça, hein. Moi j'y peux rien, hein. Moi le jeu me dit de faire ça, je le fais. Bah t'es discipliné. Oh, il y a un truc à faire dans toutes les pièces en plus. Attends, je vais ouvrir toutes les pièces, hop. Comme ça, toi ta gueule. Hop, voilà. Voilà, hop. Peindre en blanc, ok. Je comprends pas, mais bon, y'a pas de soucis, hein. Je comprends pas pourquoi le jeu te demande de faire des trucs. Tout simplement pourquoi le jeu te demande de faire des trucs, en fait. Voilà. On est sur une musique ultra calme là par contre.
malheureusement que tu peux tricher avec le jeu. Hein. Par exemple, tu peux peindre et compagnie par-dessus les meubles. Hein. Par contre, vraiment, le jeu te demande de faire des trucs, des fois, ça n'a aucun sens. Hein. Et donc, la musique veut dire que t'es sur une fan live, là. Ça, hop. Hop, je ferme. En mode, ça c'est fait. Oula, ça c'est de la merde, c'est dégueulasse. Y'a quoi là? Putain, mais y'a des pièces partout, y'a des pièces dans les pièces, sérieux. Bon, vraiment, y'a rien à faire. Ça rend triste. C'est une musique sur Final Fantasy, je crois ça. Attends, je peux voir ça. Ouais, Final Fantasy 7, celle-là. C'est à ce moment. Ça, son nom. Tac. La meuf a quoi comme problème? Son mec l'a quitté avec les enfants. Bah écoute. On sait rien, on connaît pas leur vie, hein. Je savais même pas. En fait, c'est pas une musique qu'il y a dans le jeu, hein. Je tiens à rappeler, c'est pas une musique qu'il y a dans le jeu. Mais c'est une musique qui est basée sur le jeu. Hein. C'est un youtubeur qui a fait une musique sur des univers de jeux. Et de films et séries et compagnie. Là, ça, tu dis ça. Oh, allô, le jeu. J'aimerais jouer. Pourquoi c'est pas mis dans le bon sens? Là. Ah, ça c'est la première musique que j'ai mis au début du live, ça. Ça c'est une musique sur Assassin's Creed. Et voilà, là. Elle est trop bien, celle-là aussi. À chaque fois qu'ils sont près de la plage, ils ont besoin d'un... Putain. Ouais, je vais peut-être me calmer sur la taille du truc, je pense. Je pense que c'est quand même un peu plus raisonnable. Je sais pas pourquoi à chaque fois, ils ont besoin de se rappeler qu'ils sont près de la plage. Et du coup, ils sont obligés d'avoir un tableau qui rappelle la plage, en fait. D'accord. Elle assure avoir tellement d'enthousiasme qu'elle veut pratiquer jour et nuit. D'accord. Sa chambre partage un mur avec la chambre de ses parents. La fille tient ses promesses. Les parents passeront de nombreuses nuits blanches. Ah, faut que je mette des trucs insonorisés, j'imagine. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Ça, je vous jure. Le comment... Ça, c'est le genre, le truc typique de trucs que j'aime pas. Ouais, non, mais ça va lui passer, t'inquiète pas, ça durera pas. Je déteste ce genre d'argument. Genre, si t'as un truc en tête, que t'as envie de faire un truc, arrêtez de dire ça aux gens, en fait. Ça les démotive plus qu'autre chose. Ne dites pas ça. Ça m'énerve, ça. Déteste. Tant pis, ça va coûter plus cher. Mais si c'est ce qu'elle veut, et ben voilà. Ça m'énerve. Je me suis sentie outrée pour la meuf, quoi. Pour la gamine. D'accord.
Je repeins pas les murs? Des fois j'ai l'accent un peu belge quand je parle. Il faut combien? 3. Ah t'as 3 fenêtres. Qu'est-ce qui pourrait aller avec cette couleur de mur? Rien, je pense. Oui, y'a rien qui va avec la couleur du mur, bon, bref. Ouais, je confirme, ça va pas du tout avec. Mais il n'y a aucun qui allait. Oh, attendez, tag. Ben voilà. Bref, je pense qu'il faut aller sous qu'au mur, non? Ouais, les mousses isolantes. Je sais pas comment il faut en faire. Comment il faut les mettre, mais. Putain, mais je le fais exprès, être con ou quoi? Ça se passe comment? Genre, le cerveau, des fois, ça s'active ou. Pardon, excusez-moi. Découverte personnalisée du monde de la K-pop. Ça m'a saoulé. Abonnez-vous à YouTube Music Premium et profitez d'un mois offert. Juste tais-toi, je m'en fous. Pas moyen de mettre ça plus vite. D'ailleurs, juste 14, je pense pas que ça va changer grand-chose en fait. Juste ça, ça va isoler suffisamment pour qu'ils entendent pas la guitare. Vous allez me faire croire ça, là. Vraiment. Oh putain, je peux plus jouer pour l'instant. Mais là, il m'a pas demandé de mettre des grandes. Et il m'a... Ah, il y a des grandes aussi? Je comprends pas. Attends. Attendez. Il y a plusieurs tailles en fait, je comprends pas. Ah oui, il y a des plus grandes en fait. Putain, mais j'en ai marre, pourquoi je suis con comme ça là? Je l'ai recommencé, hein. Je l'ai recommencé. Je recommence à faire de la merde. Je continue d'être débile. Je sais pas combien je vais en mettre, mais... Ah putain. Ré. Ça va être de la merde, hein. Je sais pas comment les mettre. Quoi, pourquoi vous dites là dans le chat? J'ai pas compris. Ah merde. Je crois que je vais devoir tout déplacer, hein. Ah d'accord. Du coup j'avais fait une connerie et que du coup vous foutiez de ma gueule. Et qui serait complètement possible aussi. Hein.
Allez. Oula. Merci pour le follow. Oula. Ça part en métal d'un coup par contre, j'étais pas prête. Merci pour le follow, bienvenue à toi. Mais je fais exprès, j'en ai marre. Attends. Je crois que je vais devoir encore enlever une ligne de plus. Mais pourquoi je vais me faire de la merde, on est d'accord? Oui, on est d'accord. Oh, du coup, il y en a en trop. Allez, le jeu, putain! Pourquoi je fais ça? Là, non mais j'ai fait recommencer. Ah mais j'ai pas de place en fait. Nul. Je suis censée mettre comment les choses en fait? Tu sais quoi, je vais mettre n'importe comment. Ah voilà, il y a un moment, ça me saoule. Mais là, il y a un moment, c'est chiant en fait. Comment tu l'aimais? Il n'y a pas de place pour mettre les trucs sur ton mur là. Putain, mais... Non, mais c'est pas ça que je veux. Je fais n'importe quoi. Attends, je vais les acheter un par un parce que sinon, de toute façon, je vais être embêté à chaque fois. C'est nul, hein, mais bon. On voulait que je fasse. Je suis censé les mettre où? Ça rend. Je veux pas le mettre sur la lumière. Si ça pouvait s'empiler, j'ai vraiment. Si on pouvait les empiler, là, ça rentrerait? Peut-être que là, non, ça y va. Oui, c'est bon. Eh, c'est pas facile à mettre leur truc là. Je vais pas tous les mettre, hein, c'est bon. Allez hop. C'est bon. Je m'arrête là. Ah non, mais je les ai pas tous mis, hein. Tant pis, hein. Pas grave, hein. En plus, on est sur du métal là, tout va bien. Oui, je m'en fous, tais-toi. En plus, sa chambre elle est minuscule, t'as la place pour rien. Non. Putain, c'est vrai que la guitare elle est immense. Alors, si c'est une gamine, c'est tombé impossible. Elle pourra jamais faire de la guitare. Jamais elle fera de la guitare, jamais. Voilà, on en va. Au revoir.
Ah, ça. Et c'est fini, je pense. C'est bon, hein, il y en a moins. Oh, mais il n'y a rien à faire, là, ça va. Tranquille, en fait. Ben voilà. C'est bon. Est-ce que j'ai fini ou pas? Je pense que c'est qui... C'est qui termine ce par... Ah oui, c'est juste ce qui c'est qui manque. Je sais ce que c'est qui manque et c'est pas gênant du coup. C'est le fait que j'ai pas mis tous les trucs. Cet endroit, je crois que c'est le pire, hein. Ils ont volontairement pas montré le côté avec les isolations, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais... Ils se sont dit, on monte pas ça. Je m'aurais été là, moi. Je dois voir un truc. Ah, du coup, je crois que j'ai fini tout le truc qui est là. Voilà, dans les sacs. Hop, non. Je suis tombée, excusez-moi. Tac, les proportions dans le jeu. Ouais, non, mais les proportions dans le jeu, ça n'a aucun sens, quoi. Alors, genre, qui c'est qui. Tac, je vais voir qui c'est qui stream. Allez. Allez. Tu peux le faire. Allez, je crois en toi. Allez, ordinateur. Allez, tu peux le faire. Ah, il y a Brigitte Le Cordier qui est en train de jouer à Among Us. On veut pas la raid, mais ça me fait rire. Ça m'amuse de me dire que Brigitte Le Cordier est en train de jouer à Among Us. Moi, je vois des choses. De quoi tu vois quoi? Comment ça, Lily? De quoi tu parles, Lily? J'ai pas compris. Malheureusement, le live il était un peu plus court que prévu. Plus court. Il paraît être à la même heure que prévu, hein, mais. Mais ce que je veux dire, c'est que. J'ai pu jouer beaucoup moins longtemps parce que, bah voilà, quand j'ai eu des problèmes de caméra. Bon, vraiment, sur le coup, ça m'a vraiment ruiné le moral. C'est con, hein, vraiment, c'est un rien, mais moi, ça m'a suffi à me ruiner le moral, vraiment, j'étais pas bien. Heureusement, ça allait mieux après, une fois que j'ai commencé à jouer, mais oui, ça va mieux maintenant. Après avoir joué tout, mais c'est, sur le coup, je sais pas, mais ça m'a sapé le moral d'un seul coup. Alors, il y a du monde qui stream. Destasio, ça fait longtemps que je l'ai pas raid. Hulda, je l'ai raid il y a pas si longtemps que ça. Il y a Assassin's Creed, il a changé de pseudo maintenant par contre. Hein. Mais je sais pas c'est quoi ce jeu. Century Age of Age. Je sais pas. Bon, il a changé de pseudo, hein. Il s'appelle plus Assassin's Creed, mais voilà. Je vais vous envoyer chez lui. Du coup, je vous dis à tous, merci d'être passé. Merci pour, du coup pour avoir essayé de m'aider en début de live pour les soucis, quoi. Un peu. J'espère que je vais pouvoir trouver la solution. Parce que c'est un peu chiant. Mais bon. Ouais, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être passé. Merci pour les subs, les follow, les cheers, etc. Merci pour votre présence. Et je vous dis du coup à demain. Normalement, demain, ça sera du Phasmophobia. Donc, normalement, il y aura Voodoo et Ichigo avec moi. À voir si on trouve une quatrième personne ou pas pour demain. On verra. Voilà. Passez une bonne soirée. Merci d'être passé.